Vous m'entendez? Allô? On m'entend? Depuis combien de temps mon micro il marche plus? Est-ce que vous m'avez dit, est-ce que quelqu'un m'a dit que mon micro il marchait plus? Depuis combien de temps je suis toute seule? Vous êtes revenu? C'est le moment idéal pour enclencher la touche que j'aurais dû mettre sur mon stream deck pour dire vous êtes toujours là? Écoutez, si vous êtes là de retour, on va remettre le jeu pour la grosse demi-heure qui nous reste. Et on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. Et aussi, comment dire? Bah, je viens de voir qu'on a dépassé les 40 euros et que je vais devoir faire un live horreur en novembre. Bordel! Merci! Merci pour vos dons! Merci! Bravo! Continuez à donner! Merci pour les arbres! Merci! On fera peut-être Blair Witch pour la peine. Ça, on va traîner dans les arbres. Merci! Foutu strain du... Quoi? Attends, attends cocotte. Voilà, hein? Cette fois-ci, on va pas louper le dialogue. On met bien la scène. Le jeu, il va être totalement... J'ai peur des VOD. Do you know Raleigh Fingers? He pitched for the A's. No. Well, I'm the spitting image of him. Wait, is he the guy with the snidely whiplash thing going on from the 70s? Ooh, my dad loved him. Yeah, that's it. That mustache. Now you have my attention. Oh. Ouh là là, au secours. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. Oh, ça se casse pas. Hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, you know, PC or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow, I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Mais Delilah, elle est chaude comme la braise ou quoi? Now this can't be that hard. Tuxedos, as often as possible. Oh really? You bet. How cosmopolitan. I didn't realize Boulder was so chic. It is the peak of high society. Good to know, Dale, yes. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? Well, I voilà. Have a thin mustache, real thin mustache. I got a long scar, goes down across my eye and down my cheek. And you only wear tuxes. Yeah. Are you a freaking Bond villain? I get up to some stuff, yeah. I don't think you're taking this very seriously. I want to know about your eyes. Get out of here. Elle en pose des questions, elle. Je pose le livre sur la rambarde. Is that okay? Whoopsie! Don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. Fatigué. They look tired, I think. Oh, yeah? Yeah, you know, you hit a certain age and you just... On va disperser les livres aux quatre coins pendant ce dialogue. Je pose le livre sur ce petit angle là, d'accord? Ah, pas mal. Tu peux le poser un peu mieux que ça. Je te mets juste au bord, ok? Whoopsie! Ça va faire de la lecture pour les ratons laveurs. Attends, à propos de raton laveur. Non, c'est pas très environnement, en vrai.
Et d'ailleurs, les bouquins non plus, c'est pas très environnement. Donc, je vais aller chercher mes bouquins. On va aller chercher des bouquins. Je sais pas trop où ils sont, mais je vais chercher les bouquins. Planche en bois. Récupérer quelques planches de plus. D'accord, mais mon bouquin. Je pense qu'il a dû tomber au pied du truc, non? C'est peut-être Ray qui l'a embarqué, mon bouquin. Vous savez, Ray, c'est mon pote raton laveur. C'est lui qui s'est présenté à moi. Il m'a murmuré son prénom. Dans mes rêves. Dans mes rêves. Il faut qu'on trouve l'autre. Ah, en voilà. Voilà. Hop. Non, on va le remonter là-haut. Et voilà. Voilà. Hop. Vitre cassée. Ouais, faut que je ramasse quelques planches pour boucher ça. C'est pour ça que nous sommes en quête. Le petit truc, les petites bonbonnes et tout ça, prêtes pour faire exploser mon abri en fait. Voyons voir l'autre bouquin. J'avoue que je l'ai lancé un peu allègrement. Je sais même plus si j'étais à peu près là, non? Ray, c'est toi qui as mon bouquin? C'est pas une bibliothèque ici, hein? Et c'était pas un bouquin sur les tueurs en série ou un truc comme ça? Qu'est-ce que tu fais avec un bouquin pareil, Ray? Tu m'écoutes? Ah, attendez. Mon curseur a réagi. Ah, ok. Bon, c'est juste le poste d'observation de... Ça, c'est le mien. Un brin d'herbe solitaire. Comme moi. Aou, aou, aou. Je ne vais pas réussir à remettre la main sur mon bouquin, du coup. Je suis tristesse. J'aimais beaucoup ce bouquin. J'ai dû le lire au moins 200 fois. Après la virgule. Planche. Ah, bah oui, je peux prendre celle-là du coup. Ok, on a récupéré assez de planches, mais mon bouquin, Attendez, je finis mon petit tour, d'accord? Il n'est peut-être pas si loin. Parpaing. Bon, ça pourra servir si on a besoin d'assommer quelqu'un, j'imagine. Une autre planche. Je suis triste. J'espère qu'au moins il était en papier recyclé. Oh! J'aurais pu m'en servir comme papier toilette.
I got that window all patched up. So what should I do now? What's next? What's next? What do you think is next? Well, you've been the one giving me tasks for 2 days straight. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh, yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and I'll give it to you. Bon, bah écoute. Hey! D'accord, les trucs se remettent gentiment en place, mais... Les patriotes. Les oiseaux du Wyoming. Ok, ils ont même fait la quatrième de couverture. Très bien. Il a vraiment pas récupéré ses draps, du coup? Bon, écoute. I'm ready! I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. Of course. We've issued you a comfy chair to sit in and everything. You know, it's not really that comfy. It's wooden and there's no padding. I think I actually got a splinter in my thigh this morning. Aww. Well, regardless, take a seat. The forest depends on you. Ok. Jour 9. C'est du speedrun. Hello Henry, having a nice afternoon? Ouais. Might never leave. Well, I called with some bad news. Two young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're probably the last person to have seen them. Whoopsie! You should tell whoever that I'm happy to be questioned. I yelled at them, but that's it. Look, it's not gonna be an issue. I mean, if they turn up dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? I think it's worth mentioning something. Yeah. I'll keep it vague. I really don't want to talk to the cops. Me neither. All right, Henry, thanks. Enjoy the sunset. Okay. Oh! Okay. Oui, à vos ordres, madame. What do you want? Hey, you big dumb idiot. Babe, it's late. I know it is. You sound tired. I am. Are you having a nice time? I don't know. There's some weird stuff going on. Oh, that's too bad. I'm sure it'll be fine. Il se déroule pas, c'est magique. Well, I'll let you get back to sleep then. Okay, Jules. Delilah seems nice. Sure. Bye, baby. Ça fait déjà un mois qu'on est là. Ok, marcher vers le nord. Pain in the ass to bring supplies all the way up to our towers. Well, I get my stuff hand delivered. Oh, how's that work? It's the perks of a decade of service. You're out hiking in 90 degree heat and I get to do crosswords. Isn't life miserably unfair?
Anyway, when you find the supply drop, remember it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there, and I don't want to have to call in for more. There should be loads of good stuff, though. Beans, prunes, jerky. You know, my sister eats 6 prunes a day. 6. She's, like, really precise about it. J'imagine qu'elle en a besoin pour son transit. Voilà. Alors, vers le nord. So, like, 2 weeks ago, you called me in the middle of the night. You were sleeping, I guess, and all I heard was... C'était une hallucination, alors. I just thought it was so sweet. I wanted to wake you up, but then I thought maybe you were having a nice conversation, and I'd just be spoiling it. I hope you're doing okay, you know, when it comes to her. I shouldn't be out here. Yes, you should. No, I just ran away from my problems. No, you didn't. We all fuck up. Look. So, a couple of months before I took this job, I was with this guy, Javier. He's incredible, caring, sexy as hell. He was a driller down in Casper. We dated for almost 5 years. I was working with the Wyoming Outdoor Leadership School, and I was obsessed with it. I wanted to be an instructor so badly. And I was sure I was going to marry Javier as soon as I could be bothered. Walls was also a good excuse to get out of town, drink whiskey in the mountains, cut loose. Then, Javier's brother got killed working in Gillette, and for some reason... I didn't come home. Javier said it was fine. He'd go to the funeral, take care of his mom, stuff like that. It'd be easier solo. When he came back, he left me. I came out here. I lied and told my sister he fucked our neighbor. I've just lied about it for over 10 years. And, for some reason, I wanted you to know. I figured you've told me so much about you, so, you know, there's something about me. We both fucked up. Effectivement, on cherche tous à fuir quelque chose. Eh bien, écoute, vu qu'il t'a quitté, au moins, il n'y a personne qui t'attend. Hein. Contrairement à nous, qui... Notre femme... sénile avant l'heure nous attend peut-être... Bon, Two Forks, c'est nous. Allez, soyons gentils. All right, I got everything I need out of here. Time to chow down. Just yours, right? Who do you think I am? Ah mince, encore petite ellipse. Oh merde, un feu! Yeah, it's really going. I'm gonna call it in. They'll send in a hotshot crew for some suppression, but I bet we'll be stuck with her for the rest of the summer. And she doesn't have a name yet. I usually think of something funny or something practical or a little risque when coming up with them. But why don't you do the honors? Le paltouquet. Maybe we call it the flapjack fire. Can you sell that as a name? You really like that, huh? Yeah, I said I did. It's funny. Fair enough. Flapjack fire it is. They'll probably ask me if it was a camp cooking accident or something. Ça marche. So there's this creek down the hill, and you know what my favorite thing to do is? Faire un bain de minuit? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. And then, on nights like tonight, when it is so disgustingly hot, I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. You'd like it there.
I've had one too many bad experiences with tequila. A little reticent to try it again. Well, maybe you just need a new good experience with it. Yeah. Peut-être, ouais. Are you looking at the fire? Yeah, I am. I love how they look at night. During the day, it's just smoke, but when the sun is down, you can just get lost. Yeah. Glad you're here. Me too. Good. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. I know it's probably been a while since you've connected with someone the way we have. I don't mean to get all heavy, but it's been really nice. I wish I was over there. Somebody. We could talk without these radios. We could, you know. What? What could we do? Well, let me tell you. Fishing without a license? It's one fish, and I'm sick of all the stuff I got to eat. Well, I won't tell anyone you're a poacher. That reminds me, I keep hearing reports from Fish and Game about a problem bear they're trying to keep tabs on. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire lines out to the east, and, you know, I think sometimes it riles up the wildlife. Okay. Does problem actually mean murderer? Like how Charles Manson is a problem cult leader? Oh, come on. You just have to look for tracks. That's it. Yeah, well, I've seen what they can do to a tree, and trees aren't even food. Thank you, Henry. Yeah. Ok, donc on suit le petit chemin qu'on avait emprunté tout à l'heure. Normalement, on devrait arriver sans trop de problèmes au lac. À partir de là, comment qu'on pêche? Ah, ma canne à pêche! Ok, bizarre. Voilà, ça c'est souvenir de vacances. C'est là où j'ai rencontré des filles à poil l'autre jour. Bon, et maintenant les traces. Comment je trouve des traces d'ours près du lac? Vu que je peux pas trop faire le tour du lac. Ah, par là? Ah, peut-être par là, ouais. C'est quoi ces trucs en suspension? C'est censé être des pétales? Du pollen? Du coup, je fais quoi? Je fais le tour du lac? Est-ce qu'il n'y a pas l'objectif de... Non, il n'y a pas l'objectif du jour. Ah, je peux pas passer par-dessus? Ou est-ce que je peux passer là où il y a peu de courant? Non? Non? Bon. Ok, donc je ne dois pas faire le tour. Est-ce que je remonte le ruisseau? On va peut-être tomber sur un castor? Mm-hmm.
Je sais pas trop où je dois chercher les traces de l'ours. Point d'attache. Je pensais que c'était forcément au bord de l'eau. En fait, je fais peut-être pas assez attention à ce que dit Delilah et du coup je comprends R. Ah, ah, tortue. Whoa, I found a turtle. Maybe it's a tortoise. It's a thing with a shell. Well, isn't that something? It's actually pretty cute. Well, Henry, if you decide you want it to keep you company, nobody will mind. Now what do I call it? Looks like a, Oh, this ought to be good. Turt Reynolds. Well, now I can't wait to see him. The mustache is impressive. You tell him I love Cannonball Run. Yay, j'ai une tortue de compagnie! Oh, j'ai un succès pour avoir adopté une tortue. Elle vous survivra. Ça, c'est moins cool. J'ai déjà ouvert ici. Oh, pas encore. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une carte? Un autre message. Ron, j'ai eu des mauvaises nouvelles de la maison et j'espère qu'ils me laisseront partir un moment. Mais bon, c'est pas sûr vu les budgets alloués. Tu as eu mon message sur ce qui s'est passé à Wapiti? Le shérif est pas très content, mais je sais pas trop, j'en ai peut-être trop fait. Dommage que tu sois pas là. T'as dû être retenu quelque part. Signé Dev. Amigos, c'est de l'espagnol et professionnales de l'italien. D'accord, j'ai peut-être raté un mot. Oh, un vieux sweat. Je peux pas le ramasser. Un bouquin. Oh. Ok. Bon, bah écoutez, on va remonter peut-être. Je sais pas comment on peut voir des traces d'ours et tout. Mais bon, vu que ici on n'a pas de. On n'a pas encore mis de corde. Commencez par. Trouver des traces d'ours. Ah, d'accord, ok. Donc ça doit être dans le coin, j'imagine. Traces d'ours. Ah, le ruisseau continue par là. On va continuer à suivre le ruisseau. Dans ce sens-là, puis dans l'autre. Ah, mais je ne l'ai pas déjà suivi dans ce, dans l'autre sens, je sais pas. Ou alors, on suit le lac? On va vite être bloqué avec le lac, non? Là, c'est par le début du chapitre, donc on va retourner au ruisseau une seconde fois. Donc, le ruisseau, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai la chanson du lac de Connemara dans la tête. Alors que je connais pas très bien les paroles en fait. Terre brûlée, la la, c'est pour les vivants. Non, non, non,
Na 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 de pierre. Da 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 da. Le connemara. Bon, les traces d'ours, s'il vous plaît. Et puis, comment moi, je peux reconnaître des traces d'ours? À part des grosses empreintes, je suis désolée, mais je suis pas sûre d'être capable de les reconnaître. Commencer par trouver des traces d'ours. Bon, ça circoncit quelque peu notre périmètre de recherche. Ah, par là-haut? Est-ce que je vais trop vite et du coup je me rends pas bien compte? Je n'observe pas assez? Je vois rien. Après, j'ai vu qu'on pouvait peut-être un peu grimper par ici, sauf si le jeu nous en empêche. Mais je sais pas où chercher. Enfin, je vois bien que on nous redirige un peu quand on s'apprête à dépasser certaines limites, mais je vois pas. Par là, peut-être? Est-ce que je suis déjà passée par là ou pas? Il n'y a pas de trace particulière par terre. Cet arbre a été cassé, mais je ne vois pas ses racines. Et là, on revient au ruisseau et au lac. Du coup, ben, j'ai dû rater quelque chose, mais je ne saisis pas quoi. Qu'est-ce que j'ai raté? Escalader les rochers. Est-ce que je suis déjà allée par ici? Et j'ai fait juste que descendre le chemin calmement. Oh! Est-ce qu'on est paumé une fois encore? Ah! Franchir. Bah oui, mais je peux aussi contourner peut-être, hein. Oh. Je sais pas où aller. Et en plus, j'ai perdu ma canne à pêche. Saussade. Bon. On arrive bientôt à la fin du stream. On aura validé 40% de notre cagnotte. Je suis plutôt contente. Tiens, c'est quoi ça? Quoi? Attends, j'ai pas bien lu. There's something strange going on. At the lake? What's up? Someone has written down what we said to each other, have been saying. That doesn't make any sense. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Wait, hold on, something's out here. Ah. Henry, I'm worried.
On était donc pas censé. Any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also, you know, devastating. Mm-hmm. Regardless, just let me know, okay, Buckaroo? Oh god, I don't know why I just called you that. Ah! Oh non! J'ai eu peur! Henry, are you there? What happened, Henry? I got hit in the head. Punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with, what, transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone, along with a radio of theirs. Somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't... What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. It's where you saw that damn fence. It's north of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. I'll start hiking that way now. God damn it, my head. Are you sure you saw what you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. Non, Delilah, non. Ah, mon sang. Allez. Voilà. Oh, bon sang. C'est ici qu'on va s'arrêter pour le live. Voyons voir. Le petit point sur les donation goals. Donc voilà, on a validé 4 goals sur 10. C'est super cool. Enfin, super cool. Vous me poussez du coup à faire un live horreur, hein. Je prends note de votre gentillesse, hein. Je prends note. Alors attendez, j'en mets un petit peu de musique. Si le truc veut bien. Voilà. Oh, vous m'entendez bien, il n'y a pas de souci. Ok. J'espère que vous entendez bien la musique aussi. Oh, c'était une bonne petite semaine sur Stream for Twiz. Je suis contente d'avoir participé à cet événement. Et je suis contente, comment dire, je suis contente de tous les efforts que j'ai fait pour la mise en place visuelle et tout. Je suis contente pour les donation goals qu'on a atteints ensemble. Et même si au final, tout n'est pas accompli niveau donation goal, on s'en fiche, c'est pas grave. Le plus important, c'est que c'est qu'on ait tous donné, que vous ayez donné, que j'ai donné aussi. Et je suis sûre qu'on va les atteindre, ces 10 000, avant la fin de la semaine. On va les atteindre. Regardez ça, on est déjà à 9 197 €. Et on est seulement en semaine. Ce week-end, il va y avoir plein de choses qui vont se passer sur les chaînes des streameuses, sur la chaîne Stream for Her, peut-être aussi sur la chaîne de Greenpeace. Donc franchement, il y a un très beau programme encore qui nous attend. Ce n'est pas la fin. On va les atteindre, ces 10 000.
Et toutes les sommes qui seront versées au-delà des 10 000 serviront à des initiatives écologiques locales. Donc voilà, je suis fière de nous tous, je suis fière de la communauté, je suis fière de moi, je suis fière de l'équipe streamer. Et voilà, je pense que ensemble, on peut tout réussir si on s'y met tous. Oula, ça fait peur cette musique. Attendez, on va mettre ça. Elle est cool cette musique, ok. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce live, d'avoir participé à cette semaine de stream. J'espère que vous reviendrez, pas forcément sur ma chaîne, mais voilà, que vous passerez sur d'autres streams ce week-end. Allô ? Oh là ! Oh là là ! Mon écran a vacillé, j'ai eu peur. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont fait des dons et quand même merci à ceux qui sont passés quand même, même sans faire de dons. Votre présence m'a fait très très plaisir, vraiment, ça signifie beaucoup pour moi. Merci aux personnes qui ont follow, on a atteint les 50 followers, donc il n'y a plus qu'à être régulier niveau viewer et on pourra bientôt passer affilié. Donc voilà, merci du fond du cœur pour ça aussi. Vraiment, je suis vraiment tellement contente d'avoir participé à tout ça. Même si au final, ça fait que quelques mois que je stream, ça comptait beaucoup pour moi de participer à cet événement. Histoire de, voilà, de participer à quelque chose de plus grand, de faire des choses, d'agir en fait pour la cause environnementale. Et puis aussi un peu pour moi-même, pour me dire voilà, je l'ai fait, je suis capable de faire ce genre de choses, même si je stream depuis peu, je peux le faire. Voilà, I can do it. Voilà, elle est vraiment bien cette musique, dis donc. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end à tous. La semaine prochaine, je vais bientôt mettre mon planning de la semaine prochaine. Il sera allégé parce que je vais entrer en mode préparation de déménagement. Donc, il va y avoir que peut-être un ou deux streams par semaine là. Mais voilà, c'est pour préparer le déménagement. Après, je serai dans un endroit différent. Il y aura plus mon lit en arrière-plan. Et ce sera beaucoup mieux, vous allez voir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, comme je l'ai dit. Je vous souhaite gros bisous. Et je vous dis, du coup, si jamais vous repassez par là... Attendez, je cherche mon lien de scène de fin. Il est là, voilà. À bientôt pour Stream for Trees sur d'autres chaînes. Et puis, si vous repassez sur la chaîne, à très très bientôt. Bye bye!